peuple. Voici un autre épisode de notre série X-Files du peuple. Bonjour madame. Vous faites aussi des photos pour les passeports ? Nous faisons des photos pour les passeports. Vous pouvez en faire une pour moi ? Pas pour vous, non, seulement pour les passeports. Comment ? C'est une blague. Je suis pressée, monsieur. Oui, installez-vous juste là, madame. Comme ça ? C'est parfait. Attention. Mais dites donc, espèce de maloutru ! Non, ne vous inquiétez pas, c'est le son de mon appareil photo. Ah bon ? Et combien vous dois-je ? Ça nous fait 28 francs. Mais enfin, vous êtes dégueulasse ! Oh madame, c'est le son de ma caisse. Bon, je vous remercie. À votre service, madame. Il était temps qu'elle parte, celle-là, je peux plus me retenir. Ah, ça fait du bien. Bonjour, FBI. FBI ? C'est une grande femme blonde avec un manteau rouge est entrée ici. Elle vient tout juste de sortir, mais... Excusez-moi, Mulder. Fuchs, on a trouvé un suspect bizarre dans le parc. À quoi il ressemble ? À un gros copate. C'est pas la bonne taille, on cherche un petit copate. Mulder, venez voir un peu. On arrive. C'est que je sais pas où elle est allée, la dame. Attendez-nous, monsieur. La dame s'est enfuie avec un japonais, ils étaient à moto. Et vous avez le nom du japonais ? Je viens de vous le dire. Ils étaient à moto, je connais pas. Et il y avait un autre japonais qui suivait derrière. Est-il connu du milieu policier ? Pas de problème, on le connaît. Dans son cas, tout est acquis. Et son nom ? Je viens de vous le dire. Dans son cas, tout est acquis, je connais pas non plus. Et il y a ces deux messieurs qui disent avoir tout vu. Bonjour, messieurs. Bonjour. Dites donc, monsieur, mais vous êtes tout noir ? Oui, je suis ramoneur. Et vous avez vu la scène ? J'ai tout vu. Et vous, monsieur ? Je peux tout vous raconter en détail, monsieur. Grapper, occupez-vous de ces deux ramoneurs, s'il vous plaît. Venez, messieurs. Je suis pas ramoneur, je suis chauffeur des taxis. Bonjour, monsieur Mulder. Bonjour, mon petit garçon. Qu'est-ce que t'as perdu ta maman ? Ben non, je suis votre assistant pour l'enquête. Eh merde. J'attends vos ordres. Bon, écoute, je crois que la dame en question est guidée à distance par une tierce personne. Et... Il faut trouver cette tierce personne. D'accord. Où tu vas comme ça, là ? Pardon, monsieur. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver des tierces personnes ? Mais quelle andouille. Je sais pas, moi, peut-être au tiercé. Reviens ici, mon petit tas de merde. J'ai déjà un indice, monsieur. Écoute, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de faire une communication à distance, tu comprends ça ? J'y vais tout de suite, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que ce sous-produit de demeurer ? Bonjour, madame, je cherche une communication à distance. Je rêve. Je peux vous prêter mon portable ? T'es sûr qu'il soit vraiment nécessaire d'aller voir le ministre pour ce dossier ? J'ai plus vraiment le choix, Scully. Et qu'est-ce qu'on attend pour aller à son bureau ? Écoute, en lieu ministériel, il faut suivre un certain... Eh ben faut... quoi ? Messieurs, dames ? Bonjour, monsieur. Je suis Mulder et voici Scully. Je suis Sébastien Protocole. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais te dire. Il faut suivre un certain protocole. Ah bon ? Ça, c'est vrai. N'est-ce pas ? Je me mets en colère quand on suit pas le protocole. Oui, vous me semblez très protocolaire. C'est ici. Je vous remercie. Tiens, voici nos inspecteurs du FBI. Merci de nous recevoir, monsieur le ministre. Et que puis-je ? Vous n'êtes pas sans savoir que tous nos dossiers sont interreliés par quelque chose qui n'est pas terrestre. Que dites-vous là ? Monsieur le ministre, je sais beaucoup de choses compromettantes sur vous. Pardon ? Je vous demande de coopérer. Si vous croyez que vous allez me faire chanter, inspecteur à la con. Ah oui, chantez-moi un petit bout. Ah d'accord, mais c'est bien parce que c'est vous. Hein. Ah, vous êtes chouette. Inspecteur à la con, rond petit patapon. J'adore quand il chante inspecteur à la con.